Salut les gars, c'est Greg, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur GTA Online dans laquelle comme chaque semaine je vais gagner le véhicule podium du casino. Après on ira le custom ensemble, c'est parti, je fais tourner la roue, match super technique. Balaboulum, balaboulum, bam bim bam boum, balaboulum, balaboulum. Les gars, je rigole parce qu'il y a des gens qui croient vraiment que ma technique fonctionne. Let's go, le véhicule est là. C'est parti, on va se le faire livrer, tu sais quoi, premier garage que je trouve, je le fais livrer. Non, on va pas ici. Oh my god, oh my god, faut qu'on se souvienne, hein. Numéro 3, non. Numéro 5, non. Ok, boîte de nuit 4ème sous-sol, non. 3ème sous-sol, non. 2ème sous-sol, wesh. Salle d'arcade, non. Atelier auto, ok, atelier auto. On a débloqué la Vapid Retinu MK2, voilà, qui est juste ici. Plutôt incroyable. Alors comme chaque semaine, voilà, cette vidéo consiste à ce qu'on aille de la custom ensemble. Si jamais il n'y a pas trop de custom à faire dessus, j'ai gagné aussi le véhicule du salon auto de l'Est, qui lui ne fera pas une vidéo parce que je l'ai déjà, mais je pourrais refaire une autre custom, voilà, pour que la vidéo dure un peu plus longtemps quand même. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous l'avez ce véhicule et s'il est bien. Donc il s'appelle la Retinu MK2, je vais me mettre en mode passif parce que du coup, hop, je suis carrément en session publique vu que j'ai lancé le jeu, j'ai fait cette vidéo. Hop. On va expulser le véhicule que j'ai actuellement. En tout cas, les gars, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner au maximum. Merci beaucoup. Go les 5000 abonnés. Et je tenais à vous remercier énormément pour les 4000 abonnés qu'on vient de passer. Ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord qui est en description. Ça fait aussi plaisir. Alors, j'ai dit que je l'avais fait livrer où? À l'atelier auto, je crois. À l'atelier auto. Et c'est, oui, bien évidemment, là. Mince, par contre, je vais en bas. Retinu MK2, hop, nickel. Ouais, ça fait extrêmement plaisir parce que du coup, vous pouvez parler avec tout le reste de la communauté. Si vous cherchez des joueurs, que ce soit sur PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series XS, vous pourrez trouver des joueurs de toutes plateformes. Et plus on sera sur le serveur, plus on pourra faire des concepts cool, etc. Même, pourquoi pas, des concours, des giveaways, etc. Donc, j'ai vraiment hâte. En tout cas, merci beaucoup, les gars. Ce que je vous propose, c'est qu'on va le custom où, ce véhicule? Attendez, alors déjà, c'est la Vapid Retinu MK2. C'est une sportive classique. Ah, quand même. Et ben, c'est quoi, ce que je propose, c'est qu'on aille au salon auto de l'Est. Voilà. On va aller au salon auto de LS, même si je pense pas qu'il y ait de. Je pense pas qu'il y ait de transformation HSW à faire sur ce véhicule. Mais je veux pas prendre de risques parce que souvent, des fois. Enfin, souvent. Ça m'arrive que je fasse des vidéos comme ça. Hop, je custom le véhicule et dans les commentaires, on me dit ouais, Greg, tu pouvais le custom ici, à l'agence, chez HSW, chez Beniz. Je suis là en mode oh non. Oh non. Attendez, juste avant, on va s'arrêter et on va voir si elle est encore en vente. Retinu MK2, je pense que c'est sur Southern. C'est une 3 portes. On va voir combien elle est. Je suis sûr que c'est un véhicule qui peut coûter super cher. Alors la Retinu MK2. Ah oui, mais elle est sortie il y a long time. Elle est sortie il y a longtemps de. Attends, c'est pas possible, elle est plus dispo. Retinu MK2. Sentinelle, non, non, non. Non, elle est pas là. Attendez, me dites pas, elle est sortie sur les Legendary quand même. Non, mais c'est impossible qu'elle soit là. Je sais même pas pourquoi je cherche. Retinu MK2... C'est pas une... Oh, attendez, mais les gars, je suis sûr que je suis passé devant. Il y en a dans les commentaires, ils sont en train de péter un plomb. Ils disent, ouais, non, elle était là. Les gars, je vous jure, je vais chercher. Hein. Retinu MK2... Mais quoi? Mais c'est une... Bah oui, pourtant c'est bien une 3 portes. Non, attendez, 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 attendez. Je dois vous saouler, je suis désolé, les gars, mais je veux absolument... absolument la trouver. 3 portes. Elle est pas là, elle est pas là, elle est pas là, c'est pas la bourre là, juste ici. C'est pas celle-là, la tulipe, non, 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 non. C'est quoi ce bordel, les gars? BF Club, non, non. Ah, Retinu, elle est juste ici, what the fuck, je voyais pas son nom à cause du prix. 1 000... Ah oui. Ah oui, en gros, là, je l'aurais payé 1 600 000 parce que j'ai pas le tarif spécial. 1 620 000. Ah bah écoutez les gars, c'est la meilleure affaire que j'ai fait de la semaine. Plutôt bénef, magnifique. Et ben je vous conseille, ah bah je pense que quand vous voyez cette vidéo, elle n'est plus dispo au casino malheureusement. J'allais dire je vous conseille de la gagner, mais aïe 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 aïe, 1 600 000. Ça va, ils sont pas dans l'abus. Oh my god. Elle va super vite par contre, ils sont pas dans l'abus, Rockstar. Bon allez, go se diriger chez HSW, on va la custom tout de suite. Je parle beaucoup, on a perdu beaucoup de temps, on a toujours pas commencé la custom, il y en a qui doivent se dire qu'est-ce qu'il fout. Je suis désolé les gars. Je me dépêche d'aller là-bas. Premier, on est arrivé là. Juste ici, on tourne à droite ici. Bonsoir, poussez-vous, excusez-vous. Hop, ah oui, non, là ça risque pas. Et moi je suis vraiment dans l'abus. Hein. Je suis vraiment dans l'abus, désolé les gars. Hop, là on y est, voilà. Non mais c'est bon, on finit les bêtises. C'est parti pour la custom. J'espère qu'il y a pas mal de trucs à faire dessus. En vrai, vu le prix,
Vu le prix, j'ai quand même espoir que oui, il y a pas mal de trucs, mais je pense. Je fais confiance à Rockstar. Bon, ils mettent des prix abusés, c'est des, hein, c'est des Red Eggs. Mais je pense qu'il y aura des trucs à faire dessus. C'est parti. Modifier le véhicule si ça va bien. Ah oui, d'accord. Ok, let's go. Vapid Retinue MK2 sportif classique. Alors, j'ai aucune étoile, c'est bizarre parce que je ne l'ai jamais custom celle-là. Ça, on met tout au max. Ok, ensuite. Est-ce qu'on l'a fait en mode vraiment abusé ou est-ce qu'on l'a fait en mode. Ah, moi j'aime bien ça. Ok, ça j'aime bien. Ouais, on va l'enlever. Ah, mais il y a du carbone. Ouais, pourquoi pas. Quoique. Hein. Non, le carbone ça lui va pas. On remet suite série. Moteur maximum. L. En ce cas, déjà, il n'y a pas de transformation HSW. Alors, moi j'aime bien les ailes de rallye. Donc, écoutez, on va lui laisser les ailes de rallye. Les phares, ok, très bien. Ruban adhésif. Ah, mais on peut vraiment la mettre comme ça. Je mets tout le temps les croix, donc là, je vais juste mettre horizontal. Capot. Oh, c'est stylé les ouvertures comme ça. Ok, ça, j'aime bien. Ok, bah là, c'est original. Mais ça, ça l'est encore plus. Ah, mais là, c'est une grille, alors que là, c'est ouvert. On va mettre ça. Ok, magnifique. Klaxon. Vous connaissez la chanson. Éclairage, phare, xénon, support maximum. Motif. Alors ça, ça nous intéresse souvent les motifs, les gars. Il y a 11 motifs en tout. Donc 100. Donc en tout, il y a 10 motifs. Ok, il y a celui de base, bande blanche. Ok. Ok. Alors pour l'instant, il n'y a pas de motif où je me dis, waouh, si, celui-là, j'aime bien. Celui-là, j'aime beaucoup, JK's. Et en plus, c'est le dernier. Ok, on va mettre celui-là. Plaque, on verra après. Peinture, c'est ça qui va être important. Alors, on peut mettre la couleur de croc. On va mettre un beau classique, je pense. On va mettre un beau classique. Sachant que c'est censé être une voiture de rallye. Elle passe bien en jaune. Elle passe bien en jaune, j'équipe pour l'instant. Est-ce qu'il y a une autre couleur qui irait mieux? J'ai pas l'impression. En fait, une couleur réaliste, ça serait celle-là. Mais honnêtement... Ah, ça dépend, attendez. Ouais, non, on va laisser en jaune, ok. Couleur secondaire, crew, ça change quoi? Ça change absolument... Ah, ça change là-dedans, le moteur. Bah, on va mettre pareil, jaune, hein. On va lui trouver du jaune, le frérot. Jaune. Magnifique. Emblème, non merci. Juste couleur principale, ça aurait fait quoi si j'avais mis un caméléon? C'est moche. Ok, on y fixé. Arceau de sécurité. Je vais mettre le max rembourré. Toi. Oh, ça c'est stylé. Ok, ça j'aime bien. Aileron. Alors, faut pas oublier que moi je veux faire une petite voiture de rallye. Et là, c'est vraiment rallye vapide, mais c'est du carbone, je suis pas trop fan. Alors j'aime bien soit celui-ci, soit celui-là. Et je pense qu'on va mettre course vapide, magnifique, suspension. Wow. Ah oui, là il y a du... Ah oui. Ah oui, d'accord. Ok. Transmission, j'allais dire les roues sont vraiment tordues, c'est magnifique. Transmission de course, turbo maximum bien sûr, roue. Alors type de roue, je pense qu'on va mettre des roues différentes. On va mettre circuit. Bah là ça s'appelle jante de rallye, mais est-ce que ça fait vraiment rallye ça? C'est pas vraiment jante de rallye, hein. Deux rues peut-être plus. Voilà, deux rues c'est peut-être plus adapté. J'aimerais bien mettre un truc avec un mono écrou. Là il y a un mono écrou un peu, non même pas. Hein. Sinon il y a quoi? Tuning? Jante de série? Même là j'ai pas l'impression que les roues elles soient incroyables si? Ah ces roues là j'aime bien. Même celle-là. Ok, celle-là, j'aime bien. Couleur. Alors, on va peut-être pas les mettre jaune. On va regarder jaune ce que ça donne, mais ça va être dégueulasse, je pense. Effectivement, c'est pas ouf. On va les mettre noir ou grise. Anthracite, c'est bien. Pneu, apparence. On met ça. Amélioration, pare-balles. Fumée. On lui met le fumée de pneu jaune. Vitre. On touche pas et c'est déjà fini. Alors il y a juste des trucs à faire. Il y a l'éclairage à mettre en jaune. Ok, ça c'est fait. Le motif, bon, on va pas changer, mais on regarde juste ce que ça donnerait. Autre chose.
plaque. La plaque, je vais mettre celle-ci. Qu'est-ce que j'ai pas changé que je voulais changer? Phare, calandre. La calandre, on a changé. Ah oui, c'est ça. Ok. Ok, et eh bah ben, écoutez, je croyais que les gars, on a tout fini. On va sortir voir un peu ce que ça donne. Ah ok. J'allais dire, c'est bugué, je pouvais pas bouger. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est stylé ou pas? Alors, j'espère juste qu'il fait pas nuit dehors. À tous les coups, il fait nuit, 100%. Oh non, let's go. Et en plus, c'est le matin, magnifique. Magnifique. Alors, cette voiture est plutôt stylée, j'aime beaucoup. Est-ce qu'elle va vite ou non? En vrai, j'aime bien. En vrai, j'aime bien. Mais alors, il y a la rétinue MK2. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une rétinue tout court? Je pense pas. Je pense pas qu'il y ait la rétinue tout court. On va juste aller voir. Est-ce qu'il y a des améliorations possibles à faire ailleurs? Parce que ça me paraît bizarre qu'elle coûte aussi cher et qu'on puisse pas faire de trucs plus spécifiques dessus maintenant qu'on sait qu'elle est juste ici. On obtient les courbes arrondies, machin. Ah oui, de l'original ont été remplacées par des lignes plus droites. On obtient alors une voiture américaine qui cible les petits pilotes. Ah, les gars, il y a une rétinue classique. Il faudrait qu'on la trouve, la rétinue classique. Est-ce que vous pensez qu'elle est encore en vente ou pas? Malheureusement, je pense pas. Sentinelle classique, non, rétinue. Rétinue. J'ai trop le seum parce que, en vrai, je suis sûr que. Vous savez quoi? Je vais regarder en même temps que je fais la vidéo sur internet la rétinue. Rétinue GTA 5. MK2. Ok, et bah pour l'instant je vois pas la rétinue classique, mais dites-moi en commentaire si vous savez, est-ce que la rétinue classique existe? En tout cas sur ce, c'était une vidéo vraiment faite un peu à l'arrache, hein. J'espère que ça vous a plu quand même, on fait vraiment des trucs chill en général. N'hésitez pas à rejoindre le crew qui est en description, le Discord et toutes les autres choses. Merci beaucoup à ceux qui l'ont regardé, vous êtes des boss. Hop, n'hésitez pas à vous abonner pour les 5000 abonnés. Sur ce, moi je vous dis à demain ou à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Greg, ciao les gars.